Vous êtes au bon endroit hein, sur cette chaîne YouTube de l'Expérimentarium et ce soir il va y avoir une émission télé donc qui va démarrer à 18h20 secondes à peu près. Donc là je prends juste la parole pour meubler à peu près une minute et vous dire donc que c'est une émission en live qui durera à peu près 1h30. Sur laquelle vous pourrez interagir depuis chez vous grâce au chat donc qui se trouve à droite de l'écran. Voilà, donc on est tous présents en public ici à l'Athénium et l'émission va démarrer dans à peu près 30 secondes. Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour un peu plus d'1h30 de direct live en public ici à l'Athénéum, le centre culturel de l'Université de Bourgogne. Et nous vous proposons la rencontre de chercheuses, de chercheurs, d'artistes dans le cadre du programme Réseau. Alors programme, cette biennale, ce festival qui rassemble des spectacles, des rencontres, même des speed dating virtuels dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. Alors ça s'appelle Réseau Partout Utis et... Partout Utis, c'était ce que s'était exclamé Cédric Moussel, le directeur de l'Athénium, dans un éclair de génie quand nous avons préparé il y a plus d'un an cette biennale. Eh bien, cette envie de tisser que nous vous proposons, c'est bien ça que nous vous proposons durant cette émission. Vous allez découvrir des chercheurs, des artistes, des intervenants. Et puis, vous verrez qu'il se créera très certainement des liens entre ce qu'ils vont se raconter. Et des liens, vous pourrez en tisser, car si vous êtes chez vous, vous pouvez réagir via le chat. Élise, bonsoir Élise. Bonsoir. Eh bien, Élise est là pour relayer, elle représente le peuple, le public, elle est là pour relayer vos interventions, réactions ou questions à nos intervenants. Alors, des liens, il en fera. C'est notre dessinateur mondialement connu à Dijon, Thibaut Roy. Bonsoir Lionel, j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci, c'est pour ça que vous êtes là, je vous l'avais déjà dit. Donc il interviendra tel un hooligan qui arrive en plateau durant l'émission pour nous proposer ses dessins en direct. Voilà, on en voit peut-être déjà un. Ah voilà. Voilà. Merci, voilà. Donc, je disais bien tel un hooligan, merci. Alors je co-anime cette émission avec Peggy Camus, bonsoir Peggy. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous, bonsoir au public qui est dans la salle avec nous et puis bonsoir au public qui est derrière son écran. Ce soir nous allons avoir la chance de rencontrer le chercheur Yves Richard qui est ici avec nous sur le plateau, qui va nous parler du climat dans la ville. À côté de Yves nous avons Chacha Boudin, qui est plasticienne et qui a animé des ateliers d'art plastique vendredi et samedi tout récemment. Ensuite, nous aurons la présence d'Henri Garic, qui est chercheur en littérature et qui nous partagera ses liens entre la bande dessinée, les sciences humaines et sociales. Et nous aurons aussi le photographe Édouard Barra, en résidence dans un laboratoire de physique à l'Université de Bourgogne. Il y aura aussi la biologiste Sarah Huet, donc qui nous dévoilera toutes les milliers d'interactions, voire millions d'interactions et réseaux que l'on a sous nos pieds. Et puis, on aura aussi notre aventurière de Bourgogne-Franche-Comté. Elle est là dans la salle, c'est Aurélie Gonnet, qui vient tout juste de terminer son tour des savoirs. Donc, elle répondra, elle réagira, répondra à nos questions d'ici 1h15 environ. Mais on passe à notre premier invité. Yves Richard, donc bonsoir Yves.
Bonsoir Lionel. Alors tu es chercheur ici au centre de recherche en climatologie, donc au labo biogéosciences, université CNRS. Et pour moi, un climatologue, c'est quelqu'un qui jongle entre des modèles de prévision informatique des climats et puis des questions presque de tous les jours. Par exemple, est-ce que ma vigne ou mon champ va cramer, va chauffer d'ici une dizaine d'années? Est-ce que je suis à peu près dans le cadre ou... Oui, on travaille sur maintenant et sur demain. Alors maintenant, avec des observations, on fait des mesures. Et puis pour demain, on fait des simulations avec des modèles. Alors on verra que finalement, le climat, c'est presque plus facile à... Première question piège, je t'avais pas prévu. C'est presque plus facile à prédire que la météo. Autant la météo dans 8 jours, 10 jours, c'est... 15 jours, c'est pas facile, autant les climats, on sait à peu près l'évolution qu'ils vont avoir, non ? Ou je me trompe déjà ? Exactement, les prévisions météorologiques, ça a un horizon d'une semaine, voire deux, mais guère plus. Le climat, ce n'est pas des prévisions précises, au jour le jour, mais c'est les grandes tendances que l'on peut donner pour, les siècles à venir, mais plus raisonnablement à notre échelle, les décennies à venir, donc souvent on va jusqu'en 2100. D'accord. On ne va pas aller tout de suite jusqu'en 2100 parce qu'on s'est rendu compte de choses qui se passaient maintenant et de choses qui se passent dans la ville. Pourquoi tu t'intéresses avec des collègues au climat dans la ville, dans les villes ? Eh bien, c'est la canicule de 2003 qui a orienté plusieurs équipes de climatologie à s'intéresser à la ville. Puisque tout le monde se souvient de la canicule de 2003 qui avait été à l'origine d'à peu près 15 000 morts en France. Et on s'est rendu compte que cette mortalité, elle était plus forte en ville qu'à la campagne. Et les raisons en sont que le climat urbain, c'est un climat qui est un peu plus chaud que le climat rural. On parle d'îlots de chaleur urbain, mais on avait un petit peu un déficit de connaissances sur ce climat urbain. Donc des initiatives se sont développées dans plusieurs villes, dont Dijon. Et donc à Dijon, vous avez monté un réseau qui s'appelle Moustarde, qui est même un acronyme parce que les scientifiques mettent des acronymes. Donc le M veut dire quelque chose, le U aussi. Donc c'était bien vu, Moustarde. Et ça, c'est un réseau pour comprendre donc ces sentiments et puis ce qu'on avait vécu, quoi. Plus de morts, plus chaud dans les villes, pour bien comprendre ce qui passe dans les villes. Mais vous n'étiez pas tout seul, c'est pas juste des climatologues qui se sont dit ça, on va étudier la ville. C'est déjà un réseau. Vous avez déjà fait ça à plusieurs, en fait, après 2003. Exactement. C'est pas une idée qui est sortie d'un laboratoire. C'est une idée qui a été co-construite entre beaucoup de partenaires, des collectivités, différents acteurs sur le territoire. Donc, dès sa genèse, on est à la fois sur une recherche fondamentale, comment fonctionne le climat en ville, mais aussi sur une recherche action, c'est-à-dire comment faire évoluer la ville pour que les effets les plus problématiques du climat, donc les canicules, soient le moins impactants sur les populations. Alors comment faire évoluer? Avant, il faut comment comprendre. Pour comprendre, les scientifiques, ils mesurent, ils observent. Et toi, tu nous as amené des instruments que vous avez posés dans la ville. Peut-être que les Dijonnais ou des personnes d'autres villes, je ne sais pas, ont déjà vu ce genre de choses que tu as au pied, là. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors notre idée sur Dijon, ça a été de mettre en place un réseau de mesures. Alors un réseau de mesures, c'est un ensemble de stations, et j'en ai amené une. Hein. Ouais. Donc on a une petite sonde, comme ça, qui permet de mesurer la température et l'humidité relative. Alors cette sonde, on la positionne dans un abri, parce que l'enjeu, c'est pas de mesurer la température au soleil, c'est de la mesurer à l'ombre. Donc on a un abri. Cet abri, avec cette petite pâte métallique, il est fixé sur un candélabre. Donc on en a 70 comme ça, qui sont installés dans l'agglomération dijonnaise. Et il est relié à une station. Et cette station dispose d'un petit panneau photovoltaïque qui lui permet d'être autonome en énergie et puis dispose d'une carte qui permet de transmettre l'information en temps réel, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle maintenant un réseau de stations connectées.
D'accord. Et ça, vous avez démarré ça. Tu as une carte pour nous montrer où se trouve déjà ces... voilà. Alors, ce n'est pas des petites punaises qu'il y a dans Dijon. Elles seraient grosses, même si punaises. Et donc là, il y a différentes couleurs que le public peut voir. Ça représente quoi, ces couleurs? C'est un peu l'évolution, les premières que vous avez posées, les premières années les... Oui. Alors... En 2013, quand tous les partenaires ont décidé de monter ce projet, Mustard Dijon, il n'y avait qu'une station, c'est celle qui est en rose, là, au sud-est de l'agglomération. C'est la station Météo France, qui est sur l'aéroport de Dijon-Longwy. Et puis, en 2014, on a créé 50 stations. C'est toutes les petites stations qui sont en jaune, ici. Et puis, on a progressivement complété ce réseau. Par exemple, on voit des stations en vert qui ont été complétées en 2020, puisque la problématique a un petit peu évolué au fil des années. Au début, on parlait de l'îlot de chaleur urbain, et puis on s'est rendu compte que oui, globalement, la ville est plus chaude que son environnement rural, mais qu'au sein de la ville, il existe des îlots de fraîcheur, potentiellement. Donc ces îlots de fraîcheur, ce sont les espaces végétalisés. Donc tous ces petits points en vert ont été installés dans des espaces végétalisés afin de voir si effectivement ils constituaient bien des îlots de fraîcheur. D'accord, et ça venait du fait que vous aviez eu des résultats. Et là, en public, on pourra même avoir les applaudissements, etc. Tu vas nous les montrer, ces résultats que vous avez eus donc sur les températures de Dijon, qui permettent de comprendre, peut-être après on verra s'il y a corrélation, que ça peut être grave, en fait, du très chaud l'été dans certains endroits. Quoi. Oui, alors dans la plupart des saisons, c'est plutôt sympathique d'avoir un peu moins froid. Ça permet de rester un petit peu en terrasse, des cafés, un peu plus tard. Mais il y a des moments où ça pose problème. En effet, c'est lors des canicules. Alors, ce que l'on a observé avec ce réseau, c'est qu'il peut y avoir une différence qui peut atteindre 6 degrés entre le cœur de ville et la campagne. Donc 6 degrés, c'est un petit peu la valeur maximale de l'îlot de chaleur sur Dijon. Mais au sein de Dijon, on avait dès le départ une station qui était installée au parc de la Colombière, qui est un grand parc de 33 hectares. Et on voit qu'à la station parc de la Colombière, on a parfois 4 degrés de moins qu'en cœur de ville. Donc on a un magnifique îlot de fraîcheur. Alors bien sûr, c'est le plus grand parc. Dans les autres parcs, ce différentiel de température ne peut pas être de 4 degrés. Il sera moindre. Il sera fonction de la nature du parc. Est-ce qu'il y a des grands arbres ou non? Est-ce que ce parc dispose de végétaux qui sont bien arrosés? Il a plu suffisamment avant ou non? Il y a toutes ces questions qui viennent contribuer à rafraîchir l'atmosphère. Donc on comprend déjà, vous avez eu du coup là les endroits où il fait plus chaud, donc c'est déjà une information. Vous avez les endroits où il fait plus froid, on se doute que c'est la végétation, donc on se dit il y a peut-être corrélation entre la végétation, même relation de cause à effet, entre la végétation et le fait qu'on puisse avoir plus froid. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient expliquer que dans certains endroits il fait plus chaud, dans certains points? Est-ce que vous avez d'autres facteurs qui expliquent ces îlots de chaleur? Alors oui, toutes les villes du monde connaissent un petit peu le même schéma. Il fait plus chaud en cœur de ville. Donc on se dit à quoi ça sert d'installer un réseau si le schéma est le même partout. Eh bien c'est parce qu'il y a des spécificités à chaque région. Et donc la spécificité peut-être de Dijon, comme le montre cette carte, c'est qu'on n'a pas un îlot principal, mais plutôt deux îlots. Hein. On a un îlot qui est situé sur le cœur de Dijon et puis un îlot qui est un peu plus au sud-ouest, qui correspond plus au secteur de Chenôve. Et entre les deux, on a à la fois des îlots de fraîcheur, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au travers du parc de la Colombière, mais peut-être également un axe frais qui se fait dans le prolongement de la vallée de l'Ouche. On voit ici le lac Kyr, la coulée verte. Et donc, finalement, la géographie des îlots de chaleur et de fraîcheur, elle est modulée selon la topographie, selon la présence ou non d'un cours d'eau. Alors, même si à Dijon, notre cours d'eau est de petite taille, eh bien, il existe quand même. On a un lac, on a une coulée verte, on a une zone qui est moins urbanisée, qui traverse finalement le cœur de l'agglomération et qui constitue un axe de fraîcheur. Et est-ce que, donc, il y a la topographie, il y a la végétation, est-ce que la couleur des bâtiments... Ça peut jouer, c'est-à-dire que si on peint, on sait que si on a un t-shirt noir dans le désert, on aura plus chaud que si on a un t-shirt blanc. Enfin, allez faire l'expérience. Mais est-ce que il y a des effets comme ça? Bien sûr, et c'est connu depuis de longues dates, puisque les civilisations se sont adaptées à ça.
On a, que ce soit au nord de la Méditerranée dans la ville grecque ou au sud et à l'est dans la ville arabe, des cœurs de ville qui sont repeints, badigeonnés régulièrement à la chaux pour être blancs, la couleur blanche renvoyant l'énergie, la couleur noire ayant tendance plutôt à la stocker. D'accord, donc on voit qu'il y a plein de paramètres, on voit que ça peut dépendre des villes, que vous avez eu des informations. On a parlé de Dijon. Et quand on a préparé avec toi, quand on t'a demandé l'idée de réseau, bon là on a des points, on voit que les informations ça peut faire des réseaux, mais ce qui t'a plu, ce que tu as eu envie de nous dire, c'est que en fait maintenant vous ne faites pas, il n'y a pas que Dijon, et vous fabriquez un réseau avec d'autres villes qui mesurent le même genre de choses, voire d'autres choses. Ça c'est ce que vous êtes en train de faire? Oui, c'est un jeu de poupées russes. On a finalement un réseau de réseaux qui vient d'être labellisé par le CNRS. En fait, on a une dizaine de villes en France qui ont développé des initiatives comparables, pas identiques, mais comparables à celle qui a été développée à Dijon, celle de Mustard Dijon. Et donc l'ensemble de ces réseaux sont aujourd'hui en réseau Observville. D'accord, donc ça doit donner des... On aura envie d'être petite souris pour voir... Vous avez mesuré ça, nous on n'y a pas pensé, etc. Alors, pour mettre en réseau, il y a le public qui est éloigné, et puis enfin par Internet, ou alors du public dans la salle. Est-ce que, je vois Élise que tu levais la main, il y a peut-être déjà une question ou intervention dans le public sur Internet. Oui, tout à fait. Nous avons une question de Dominique qui demande « Est-ce que ces observations se traduisent par une politique de végétalisation de la ville de Dijon ?» Alors là, ça va au-delà de notre travail de chercheur, mais l'ambition est bien là, c'est de travailler en concertation avec tous les acteurs, et en particulier Dijon Métropole, pour essayer de développer les îlots de fraîcheur déjà existants, voire d'en créer d'autres. Donc là, Thibault, un dessin peut-être avant d'autres questions. Bah, il était question de végétalisation, donc j'ai fait un dessin sur la. Oui, n'ayez pas peur. Avant toute chose, donc oui, la drogue c'est mal, hein, évidemment. ne vous droguez pas, mais j'avais imaginé moi quelqu'un qui faisait de la plantation, voilà, chez lui dans des pots, et là la police arrivait, donc il cherchait une excuse, quoi, pour pas partir, et donc j'ai fait un petit dessin où le monsieur dit non, c'est pas une plantation de cannabis, monsieur l'agent, c'est je lutte contre les îlots de chaleur, voilà, et donc j'ai fait le. Alors c'est vrai qu'on a envie de se dire que des villes plus vertes, avec ça commence à pousser, ça, si je puis dire, les bâtiments végétalisés, ça serait une solution, mais il faut beaucoup d'eau. Est-ce que ça c'est pas un frein? Ça peut être un frein si la ressource en eau n'est pas suffisante. Et à cet égard, toutes les villes ne sont pas égales parce qu'elles ne disposent pas de la même ressource en eau. Certaines villes ont un grand fleuve. Dijon n'a pas de grand fleuve, donc c'est un peu complexe sur Dijon. Néanmoins, il y a quand même des capacités qu'on peut essayer de mobiliser au mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Je regarde Aurore qui partage les questions. Ah, on a une question là. Non ? Oui ? N'hésitez pas, si vous levez la main, c'est pour une question. Non, c'était pour faire coucou. Donc, coucou. Oui, alors, dans la salle, on a peut-être une question. Est-ce que dans votre réseau de chercheurs, il n'y a que des chercheurs en climatologie ? Ou est-ce que vous allez chercher d'autres disciplines comme la géographie ou l'urbanisme pour justement tisser des perspectives ? Alors moi-même, je suis géographe climatologue et bien entendu, on a des collègues de géographie qui travaillent plutôt sur des questions de transport ou d'aménagement urbain qui sont partenaires. On a aussi des projets qui se font avec des collègues qui relèvent de la santé, avec l'Agence régionale de santé, puisque dès sa genèse, finalement, ce réseau a été porté par une question de santé publique. Et puis, on travaille également avec des écologues. À côté de nos stations, souvent, il y a des petits nichoirs avec des mésanges. Donc, on a travaillé en concertation avec les écologues de manière à pouvoir voir quelle était également l'ambiance thermique pour nos amis les oiseaux. Une autre question sur Internet, Élise ?
Oui, tout à fait, qui fait écho d'ailleurs à la question de Dominique de tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si Yves aura une réponse, mais en tout cas, c'est des pistes de réflexion. Thomas nous demande, avant de penser à la végétalisation des zones urbaines, ne sera-t-il pas plus judicieux de ne pas urbaniser nos zones de vie ? Par exemple, le fait que beaucoup de parkings poussent en ce moment. Oui, c'est une question très compliquée. Il y a des besoins de construction. Continuer à étendre la ville sur l'espace périurbain en détruisant des zones agricoles, on considère que cette époque est terminée. Depuis 50 ans, on a fait ça. On réfléchit aujourd'hui plutôt à essayer de densifier la ville. Mais si c'est densifier la ville en essayant d'urbaniser, de bâtir toutes les petites zones interstitielles qui étaient encore laissées libres à la végétation, ça pose un problème. Donc c'est une difficulté à laquelle se confrontent toutes les villes. Et à Dijon, ce problème est très présent. Donc la question est où bâtir ? On ne peut plus convertir des espaces agricoles pour faire des nouveaux bâtiments. On a envie de laisser vivre les quelques îlots de fraîcheur qui restent en ville. Donc en effet, c'est bien sur la voirie. C'est bien sur la voirie peut-être qu'il existe un gisement, des hectares, des mètres carrés qui peuvent être repensés, à la fois pour construire des logements, mais aussi pour développer la part du végétal. Donc on voit là l'importance de mener ces recherches, et tu l'as dit dès le départ, hein, c'est l'idée de réseau, dès le départ, de faire, c'est pas les scientifiques dans leur coin, et puis après on récolte le fruit de leurs résultats, c'est vraiment ensemble, et avec les villes, avec l'ADEME, je crois, tu fais des... Donc il y a tout un tissu associatif, social, politique qui est autour de toi et vous en faites partie. Petit truc technique, en plus tu nous disais que si on densifie la ville, on va augmenter la hauteur des bâtiments, et la hauteur des bâtiments est aussi un phénomène qui pourrait augmenter les îlots de chaleur urbains. Oui, un bâtiment haut laisse moins librement l'air s'écouler. Donc c'est un élément que l'on prend en compte. On prend en compte la hauteur des bâtiments, la surface imperméabilisée, la fraction de végétal, la couleur des matériaux. Donc ça nécessite des gestions de grosses bases de données, beaucoup de géomatique, beaucoup de travail avec des systèmes d'information géographique. Alors voilà, on laisse le temps de, de voir le dessin. Ok. Alors... Merci Thibault. C'est pour mon ami et collègue Fabrice Blaise, voilà. C'est côté Jean-Pierre Parpin comme maire, voilà. Futur maire d'une ville, par exemple. En tout cas, je pense qu'on a compris dans l'urbanisme qu'on n'est plus dans les grandes périodes où on était fier d'avoir des routes qui traversaient Montréal, des autoroutes proches des villes, etc. Et on en reparlera peut-être avec notre prochaine invité. Alors après Chacha Boudin, qui est Henri Garic, et parce qu'on va parler de littérature, de BD, et notamment des BD de Peter C. Alors Schuiten, on dit qu'on ne parle pas flamand, qui vraiment parle de ces villes et des problématiques des villes. Yves, je ne vois pas d'autres questions dans le public. Merci. Bah, tu peux rester là et intervenir si tu veux quand Peggy va interviewer Chacha. Donc on va passer à notre deuxième intervenante qui est artiste. Peggy, je te laisse la présenter. Voilà, donc Chacha Boudin. Tu es plasticienne, illustratrice, graphiste dijonnaise. Ton travail s'oriente beaucoup en direction du jeune public. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait appel à toi dans le cadre de la Biennale Réseau pour animer des ateliers. Donc ces ateliers ont lieu ce vendredi dans les établissements scolaires. Et puis aussi samedi après-midi au parc de l'Arquebuse. On a fait complet, ça a très très bien marché. Du coup, c'était vraiment chouette de pouvoir t'accueillir. Et puis, ce qu'on peut dire dans ton travail, en fait, ce qui fait réseau dans ton travail, c'est justement que, en fait, tu aimes partager l'idée de faire, de créer ensemble. Donc, est-ce que tu peux, du coup, il va y avoir quelques images qui vont dérouler. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ces trois ateliers que tu as proposés dans le cadre de la Biennale Réseau ? Oui. En fait, déjà, les trois ateliers, ils sont partis du domaine de la science et de la nature. Parce qu'à chaque fois, moi, j'oriente mes ateliers en fonction de la thématique de l'événement. Donc là, il y avait un premier atelier qui était sculpture moléculaire. Donc, je montre pour ceux qui ne voient pas. Je montre.
Donc en fait, là, le but du jeu, c'était de créer des petites boules avec de la pâte colorée qui faisait référence aux atomes, et ensuite de les relier les unes aux autres par différents types de bâtonnets pour créer des sculptures. Donc ça, c'était un premier atelier. Le deuxième atelier, c'était wall pattern. Donc là, en fait, les gens, ils étaient invités à prendre une des planches dessinées de Ernst Haeckel, qui est un biologiste. Et en fait, je leur demandais de décalquer une partie de la planche, donc soit un dessin en entier, soit une toute petite partie, et de répéter cette image sur toute la feuille calque pour créer un motif. Et ce motif, on allait l'accrocher au mur pour créer tous ensemble un papier peint. Et le troisième atelier, là, c'était vannerie contemporaine. Donc là, complètement inspiré de la nature, du land art, les participants allaient chercher dans le parc des végétaux donc qui étaient tombés à terre. Hein, on n'arrachait pas le végétal du parc. Et ensuite, on allait le tisser sur ce métier à tisser. Voilà. Donc il y avait deux œuvres participatives pour justement faire ensemble. Voilà, alors tu parlais de land art, c'est un courant artistique qui est né dans les années 60, en fait, où on utilise les éléments de la nature, où on crée des œuvres dans la nature, certaines voire sont éphémères. Et puis les planches de Ernst Haeckel ou Haeckel, qui, et il faut le dire, l'université de Bourgogne a quelques planches de ce biologiste-là, en fait, de ce botaniste-là, pardon. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est amusé à s'inspirer aussi, comme tu le disais, des arts et des sciences. C'est pas nouveau. Dans les arts, ce sont, quoi qu'on en dise, toujours inspirés des sciences et vice versa. On peut remonter très loin à Léonard de Vinci, à la Renaissance, à la perspective. Moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, Chacha, c'est si justement le domaine scientifique, c'était une première pour toi avec cette invitation dans le cadre de réseau. Est-ce que tu avais déjà travaillé sur cette thématique-là ou est-ce que c'était dans mes souvenirs, non. parce qu'en fait, à chaque fois, je propose vraiment des ateliers liés à l'événement. Donc, je ne me souviens pas avoir fait des ateliers qui s'inspiraient du domaine de la science. D'accord. Bah, on est content que ce soit une première avec nous, du coup, puis j'espère qu'il y aura une suite. Alors, ce qu'on avait demandé aussi, en plus des ateliers participatifs, on t'a commandé aussi une signalétique un peu totem qui soit présente au parc de l'Arquebuse samedi dernier et que l'on a la chance de retrouver ici sur le plateau, un peu éclaté là sur le plateau. On en voit des petits bouts. Il y a une vidéo qui va passer que tu as filmé juste avant au parc de l'Arquebuse. Du coup, voilà, tu t'es inspiré aussi de cette thématique des réseaux, ce lien entre formes ou pas? En fait, la commande, c'était de créer une signalétique, donc quelque chose qu'on voit. Donc, il y avait l'idée du totem. Et en effet, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de faire, un réseau de dessins. Ces cubes-là, posés l'un sur l'autre, en fait, c'est quatre images verticales différentes, mais qu'on peut combiner les unes aux autres. Et donc, oui, un réseau d'images, quoi. Donc, c'est ce que je trouvais intéressant. D'accord, alors je ne sais pas si Élise, tu as des questions, est-ce qu'il y en a dans la salle? Oui, une question. Oui, c'était pour savoir au niveau là, des représentations moléculaires, est-ce que vous prenez en compte les contraintes chimiques, physiques? Non. Non, pas du tout. Là, vraiment, l'idée, c'était de partir de la science et d'aller vraiment dans le domaine de l'art et donc de l'abstrait. Non, on n'était pas du tout. Alors, il y avait des petites fiches tutorielles qui étaient là. Il y avait des exemples de molécules pour juste essayer de comprendre simplement, parce que c'était quand même destiné à des jeunes enfants. Donc, on n'est pas du tout rentré dans le détail. Et puis, de toute façon, j'en étais incapable. Mais l'idée, oui, c'était de créer quelque chose, une sculpture abstraite. Donc, il n'y avait rien de chimique là-dedans.
Et c'est pour ça qu'on a appelé tes ateliers quand l'art s'inspire de la science, oui. Justement pour garder une part d'imaginaire aussi. On aura envie de savoir si des chimistes voyant ça se disent « Ah, mais tiens, c'était des représentations qu'on a eues à telle époque, etc. » Parfois, il y a des liens comme ça entre mathématiciens et puis cristallographes et artistes. Voilà, on peut voir du côté de Penrose des gens comme ça. Est-ce qu'on fait d'autres liens avec d'autres questions? On fait un réseau ici, via Internet? Alors, il n'y a pas encore de questions sur le chat, mais je vais en poser une. Est-ce que quand on entend donc un chercheur comme Yves parler de sa notion de réseau, et on aura d'autres aussi chercheurs qui vont aborder cette notion, chaque chercheur a un peu sa définition, ce serait un peu pour toi un réseau, c'est quoi? Et est-ce que quand un chercheur en parle, par exemple Yves, est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te fait penser à des choses en particulier? Moi, le mot réseau, de toute façon, il fait complètement écho à mon travail parce que pour moi, l'atelier, c'est vraiment prétexte à créer du lien. Donc voilà, c'est comme ça que je pense à réseau. Voilà. Alors, merci pour cette fausse question de réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui nous a dessiné? Une molécule qui guérit du Covid à tout hasard. C'est pas ma tête qu'il faut dessiner, c'est celle d'un professeur. Je voulais rajouter Lionel Maillot, bac moins 12 en chimie, mais j'ai peu de temps. C'est pas vrai, en plus. Alors, je vais faire une petite transition tirée par les cheveux, puisque tu n'es pas passé par les réseaux, mais dans les réseaux qui t'amène les informations du public, c'est des fibres avec des informations qui sont transmises dans des fibres, et il y a des chercheurs, des fois même certains qui étaient recordman du monde du nombre d'informations envoyées dans une fibre optique à Dijon, c'était il y a quelques années, 17-18 ans, et on a un photographe que vous allez bientôt voir sur ce canapé, alors je vais gentiment vous demander de laisser la place, qui est Edouard Barra, qui est dans un laboratoire en résidence, et donc nos deux prochains invités, donc il y aura Edouard, ce photographe, et puis Henri Garic, qui est chercheur en littérature. Et le temps du changement de plateau, on ne vous fait pas une publicité, parce qu'on est du vrai service public, on va vous mettre une des photos que Edouard a prises dans ce laboratoire qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici. Alors, je ne sais même pas si je les ai remerciés. Merci Yves Richard et Chacha Boudin, donc, d'avoir été les premiers pour cette émission. Donc, Edouard est à gauche et Henri, pour vous, est à droite. Donc, Henri Garic, bonsoir Henri. Alors, Henri, chercheur en littérature comparée au Centre pluridisciplinaire Texte et Culture donc de l'Université de Bourgogne. Alors, Yves nous a fait comprendre quand même que la recherche était plus riche quand elle était pas juste cantonnée à sa propre discipline, puisqu'il est en même temps climatologue, géographe, mais il a dit qu'il allait travailler avec des ornithologues, peut-être des sociologues, enfin, beaucoup de monde. Et est-ce que ça, c'est pas le principe de sortir de son cocon disciplinaire de ta discipline qui est la littérature comparée? Alors oui, tout à fait. Hein. Effectivement, la littérature comparée, c'est une discipline qui est née de façon un peu périphérique au XIXe siècle, au moment où on mettait en place les études littéraires, qui étaient des études littéraires très nationales. Il s'agissait d'ancrer le rapport entre la nation qui se mettait en place et la littérature. Et on a inventé la littérature comparée parce qu'on s'est aperçu très vite que ces littératures nationales, elles n'existaient que parce qu'il y avait des sources internationales. Donc, ah oui. Par exemple...
Il s'agissait de dire, voilà, quand on analyse les fables de La Fontaine, bien entendu, c'est notre littérature à nous, mais ouais. Pour les comprendre, il faut voir ce qui vient aussi de la littérature persane, par exemple, et d'où viennent toutes ces fables. Ça met déjà une bonne petite claque aux gens qui disent la culture française, millénaire, ancestrale, etc. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est l'origine de la culture. La littérature comparée, c'est devenu une discipline. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'était le point de départ. Et au fur et à mesure de son histoire, la littérature comparée s'est tout le temps emparée des sujets qui étaient des sujets transversaux de la littérature. Donc c'est elle qui s'est vite intéressée à la façon dont on pouvait mettre en relation la littérature et les arts. Typiquement, les études sur la littérature et la musique se sont vraiment ancrées dans la littérature comparée quand elles se sont mises en place. C'est elle qui, la première, s'est intéressée au rapport avec des littératures en français, mais pas françaises, donc ce qu'on a appelé ensuite la littérature francophone. C'est elle qui s'est beaucoup intéressée au rapport entre la littérature et les sciences humaines. Alors, ce qui ne veut pas dire que le reste des études littéraires ne le fasse pas, mais souvent, c'est la littérature comparée qui s'est emparée de ça en premier lieu. Et donc, effectivement, moi et d'autres chercheurs de littérature comparée, la façon dont on procède consiste tout le temps à essayer de chercher la façon dont on peut mettre les choses en réseau, disons, en relation entre littérature de différents pays, littérature et sciences humaines, littérature et art. Mais alors là, on se dit, il faut quand même être assez courageux parce que déjà pour étudier la littérature, au niveau de la recherche, je pense qu'il faut déjà pas mal lire, étudier. Et en plus, si on va voir, du côté de la sociologie, ça veut dire que il faut arriver à comprendre la sociologie. Pour comparer, il faut arriver à. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se forme? On va faire des stages chez les, chez les sociologues où on lit beaucoup, je suppose. Oui, effectivement. Moi, je dis toujours aux jeunes doctorants ou jeunes doctorantes qui viennent me voir, qui ont un sujet, qui veulent travailler sur le cinéma, par exemple, ou qui veulent mettre leurs travaux en relation avec de la sociologie, qui me disent mais je ne sais pas faire. Je dis ça s'apprend, en fait. Donc, effectivement, ça s'apprend. Ça demande effectivement beaucoup de travail qui est moins un travail de, on creuse comme on peut avoir dans d'autres disciplines, beaucoup plus un travail horizontal de mise en relation effectivement. Ouais. Et alors qu'est-ce que ça peut donner comme type de réflexion on choisit une œuvre ou on choisit un courant sociologique puis on regarde les œuvres qui le représentent Qu'est-ce que ça peut donner des exemples de ce que peuvent... Alors, je suis centré sur la sociologie, là, mais ça peut être l'anthropologie, ça peut être d'autres sciences humaines. Alors, il n'y a pas... Littérature et histoire, par exemple. Il n'y a pas de modèle unique, effectivement. Si je donne un exemple de ce que j'ai fait, modeste, mais bon, voilà. Tu es là pour ça. on parlera ensuite de la ville, mais par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur la conception de l'animal, la différence entre l'animal et la... et l'humain et ses représentations. Alors, ça donne des choses très simples en bande dessinée. Hein, ça demande de se poser la question pourquoi un jour des gens ont décidé de représenter des hommes avec des têtes d'animaux. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça apparaît à une époque, etc. Et ça, quand j'ai réfléchi autour de ça, j'y ai réfléchi à partir d'œuvres de philosophes, notamment un philosophe italien, Giorgio Agamben, qui se pose la question justement de cette coupure à l'intérieur de la définition de l'homme entre l'humain et l'animal. Et donc, travailler sur des phénomènes qui sont des phénomènes formels qu'on voit apparaître donc à la fois dans la littérature et dans la bande dessinée, ou dans le dessin de presse au XIXe siècle, ça implique toujours d'aller voir ce qui se passe du côté de la philosophie, de l'anthropologie. C'est un exemple assez typique de la façon dont on peut procéder. Là, ce sont les questions de est-ce que l'homme est supérieur à la nature et doit emplisser la terre et soumettre là, ou est-ce que l'homme est dans la nature suppose qu'il y a de l'homme. Et comment l'humain se définit, en fait, parce qu'il se définit toujours par rapport à l'animal, que ce soit pour le rejeter ou pour dire que nous sommes des animaux, en fait. Là, je me demande si Thibaut est en train de nous dessiner en termes d'animaux. Ce n'est pas forcément péjoratif de mettre un animal. J'ai essayé de dessiner une grenouille, c'était une catastrophe. Je ne vais pas vous faire Kermit. Plus grosse que le bœuf, mais je n'ai pas réussi.
D'accord. Alors, les fables de La Fontaine, il y a des inspirations. Je ne sais pas si tu nous l'as dit en préparant. Tu nous as dit qu'il y avait des inspirations iraniennes. Oui, de très nombreux domaines. Alors, on pense beaucoup au grec et au latin, puisque c'est notre culture. Mais il y a effectivement des choses qui viennent de nombreux domaines culturels qui ne sont pas forcément évidents et auxquels on pense tout de suite quand on pense aux fables de La Fontaine. Classique et très canonique comme ça. D'accord, alors on va être plus contemporain, et pour justement illustrer ce lien entre littérature et d'autres sciences humaines, on va partir d'une bande dessinée littérature et art, la BD, que tu as particulièrement étudiée. Donc tu nous as apporté cette œuvre qui est La fièvre d'Urbicande, donc de Benoît Peters et François Schuiten. Comme je disais, on dit Schuiten, mais bon, voilà, vous pouvez lire Schuiten si vous êtes comme moi. Alors je montre les deux versions parce qu'en fait, ça c'est la version originale qu'on ne trouve plus puisque j'ai acheté tout à l'heure la dernière qu'on trouvait à Dijon. Nous sommes à l'Athénium, si vous voulez m'expliquer. Et qui est ressorti en couleur, en fait. Les auteurs ont tenu à la colorier. Toutes leurs bandes dessinées sont coloriées, viennent de la ressortir en couleur. Voilà. Ok. Et alors, il se passe un moment. Alors, on pourra avoir des impressions qu'on pourra mettre en incrustation. À un moment dans cette bande dessinée, donc il arrive une histoire de cube qui dit des choses sur des problématiques étudiées par les sciences humaines à l'époque où Peters et Schuiten ont fait cette BD. Qu'est-ce qui se passe avec ce cube donc dans La fièvre d'Urbicande? Alors en fait, La fièvre d'Urbicande, ça raconte l'histoire d'un urbaniste que vous voyez ici à l'écran, hein, qui a conçu une ville, Urbicande, extrêmement pensée, très organisée, mais qui a un problème de dissymétrie. Il y a un pont au nord, je crois, et il devrait y avoir un pont au sud qui répond et qui n'a jamais été conçu, notamment parce qu'il relierait des quartiers qui sont des quartiers riches à des quartiers pauvres, et que politiquement, on n'est pas allé jusqu'au bout du projet urbaniste. Et un jour, ce personnage voit arriver un cube qui a été trouvé dans des recherches archéologiques, qu'il pose sur sa table et qu'il intrigue. Et il l'oublie, il le pose, et en fait il le pose de travers, là on ne le voit pas je pense pas qu'on le voit sur cette image, il le pose de travers et le lendemain quand il revient dans son bureau, le cube s'est développé. Et progressivement, donc à la fois le cube prend plus de... augmente de taille et pousse d'autres arêtes. Et le cube se développe ainsi de façon immense en une sorte de réseau, et d'ailleurs les personnages l'appellent le réseau, qui va jouer le rôle de ce pont qui n'avait pas été construit, hein, qui va prendre la place. Alors quand on le voit de haut, ça crée une espèce de très très belle pyramide qu'ici les personnages contemplent, et ça crée un réseau qui va bouleverser tout dans la ville. Les quartiers riches et les quartiers pauvres vont se mélanger, ça va créer quelque chose qui est une forme de révolution. Les autorités vont essayer d'interdire le franchissement du pont sous des prétextes de sécurité, puis finalement la circulation va se faire. Et donc bien entendu, là on voit très bien comment le réseau joue le rôle du pont qui manquait. Et pour Peters et Schuiten en fait vient de l'architecture, hein. Peters c'est quelqu'un qui vient du milieu intellectuel parisien, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Derrida par exemple, avec Barthes, etc. Et c'est deux personnes qui réfléchissent beaucoup sur l'urbanisme, et notamment à partir du modèle de Bruxelles qu'ils estiment comme catastrophique, les interventions urbanistiques. Et pour le coup, représenter ce réseau, c'est une façon de poser des questions qui se posaient à l'époque beaucoup dans le milieu de l'urbanisme sur ce qui échappe à la prévision urbanistique. Et le réseau, c'est une façon effectivement de concrétiser c'est tout à fait ça. c'est une façon de concrétiser les interactions humaines que les sociologues et les géographes dans les années 70 commençaient à vouloir mettre en avant contre la prévision urbanistique trop autoritaire.
Voilà. D'accord. Donc la BD a dit quelque chose, en quelque sorte vulgarisé, porté un propos. Est-ce que c'est critique aussi? Est-ce que la BD a pu en retour influencer aussi la pensée, ou est-ce que ça c'est très difficile à savoir? Alors, des influences concrètes, ça on sait qu'il y en a, puisque Peter et Skuyten sont régulièrement intervenus à l'intérieur de l'urbanisme bruxellois, notamment à la fois en protestation contre des destructions, mais aussi pour essayer de préserver. Donc, il y a notamment une maison, la maison Horta, qui est une grande maison Art Nouveau au centre de Bruxelles, dont ils ont essayé de faire un musée. Voilà. Et donc, des effets très concrets comme ça, oui, on voit qu'il y en a. Ensuite, influencer la pensée urbanistique, c'est sans doute plus compliqué. C'est peut-être plus difficile, mais c'est sûr qu'on est dans un mouvement qui est un mouvement général de la pensée urbaniste dans les années 70, qui prend beaucoup plus en compte les acteurs de l'urbanisme que ça ne l'était dans les années 60, disons. D'accord. Alors, est-ce qu'on aura... Je te poserai d'autres questions, parce qu'on va revenir à cette idée de réseau, puis on a un spécialiste de la BD, donc on en profitera, on fera un lien entre BD et réseau. Est-ce que, tout d'abord, il y a des questions dans le public? N'hésitez pas à vous manifester franchement pour que je vois bien. Alors, du coup, je vais poser ma question liée à réseau. C'est une question que tu nous avais soufflée, parce que tu nous en avais parlé. La bande dessinée, c'est en quelque sorte aussi en soi un réseau. Alors, le photographe sera peut-être intéressé, parce que la bande dessinée, ce n'est pas juste une image par page. Juste une image. Je ne suis pas péjoratif par rapport aux photos, c'est juste une image. Mais il y a une histoire d'une image parmi d'autres images. Oui, tout à fait. Effectivement, on a beaucoup, alors pas du tout moi en particulier, d'ailleurs Benoît Peters, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la conception de la bande dessinée, il y a réfléchi depuis très longtemps, d'autres spécialistes de bande dessinée. On définit la bande dessinée, on parle de multicadre. Alors qu'est-ce que ça veut dire le multicadre? Ça veut dire que... l'histoire qui se raconte dans une bande dessinée, bien entendu, elle se fait avec la suite des cases qu'on a sur dans une planche. Et donc, on peut suivre comme en zigzag, comme ça, une histoire qui va d'une case à l'autre, de gauche à droite et de haut en bas. Mais la grande spécificité de la bande dessinée, c'est que quand on a une case, on peut sauter d'une case. Quand on a une planche, on peut sauter d'une case à l'autre. Et très souvent, les dessinateurs vont associer une case qui est en haut de la planche et une case qui est en bas de la planche, avec des dessins qui peuvent se ressembler. Ça fonctionne au niveau de la planche, mais ça peut fonctionner aussi au niveau du récit. On va retrouver trois pages plus loin, puisqu'on parlait de grenouilles. Je pense à une bande dessinée américaine, Black Hole, sur laquelle on voit des personnages qui dissèquent une grenouille, et on va la retrouver avec une image sexuelle quelques pages plus loin, qui transforme cette image. Et donc le multicadre, c'est exactement ça, c'est concevoir pas seulement un récit qui serait un récit linéaire, mais quelque chose où tout rentre potentiellement en réseau. Chaque point va pouvoir rentrer en réseau avec les autres points au fur et à mesure. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand Skuyten et Peters font la fièvre du Rubicon, en fait, pour eux, c'est aussi une métaphore de la bande dessinée. Ce réseau qui se déploie, c'est beaucoup ce que fait la bande dessinée. Voilà, excuse-moi. Et est-ce que la littérature arrive à faire ça? Parce qu'on imagine bien qu'en plus, les auteurs doivent s'amuser. On voit les auteurs qui ont du talent. Enfin, dans Hergé, parfois, moi, je me souviens toujours d'avoir tourné une page et puis, c'était, je crois, dans le Crabe aux pinces d'or, clac, l'image pleine page juste après. Donc, jouer sur cette dynamique. Est-ce que la littérature y arrive aussi, ou est-ce que là, la BD a son savoir-faire et... Alors, la littérature fait des choses qui ressemblent à ça, parce que quand on a une métaphore, par exemple, c'est quelque chose qui est une superposition de sens, donc on peut avoir ce type d'écho. Mais quand on lit un texte, quel qu'il soit, on est toujours mené par le temps.
Et donc, sauf, y a des poèmes qui font ça, il y a des auteurs qui ont fait ça, Michel Butor, par exemple, qui a conçu des pages dans lesquelles le texte est organisé spatialement, mais normalement, quand on lit un texte, on suit le temps et on ne va pas sauter immédiatement pour aller à ce qui suit, alors que dans une planche de bande dessinée, on peut voir les choses de façon simultanée. Donc oui, c'est quelque chose de spécifique et que le cinéma ne fait pas non plus, par exemple. C'est un outil qui est vraiment spécifique à la bande dessinée. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, une question du public. Oui, nous avons une question sur le chat. Est-ce que l'on peut souvent retrouver la trace des inspirations des auteurs dans ce que l'on sait de leur vie ? Alors, on peut parfois, je dirais, plutôt. Il y a des auteurs dont l'implication de la vie est extrêmement importante, donc dans lesquels on peut retrouver des choses dans leur œuvre. Il y en a où c'est moins net. Il y en a qui se cachent aussi, qui ne veulent pas qu'on retrouve les origines de leurs œuvres. Là, en l'occurrence, puisqu'on parle de Peter Seskoyten, Peter, c'est quelqu'un qui se livre assez volontiers, qui raconte beaucoup comment est-ce qu'il a conçu ses œuvres, d'où les inspirations, les idées lui viennent, etc. Voilà. Et j'ai d'ailleurs tendance à trouver que les dessinateurs de bande dessinée sont plus modestes de ce point de vue-là, c'est-à-dire racontent plus facilement d'où viennent leurs inspirations, etc. Il y a un certain romantisme chez les écrivains, ou une coquetterie romantique chez les écrivains de littérature qui fait qu'ils ont tendance un petit peu à dissimuler. Alors, je dis ça à grands traits, mais effectivement, c'est très frappant quand on travaille notamment avec les dessinateurs de bande dessinée, de voir qu'ils sont très partants pour expliquer d'où viennent leurs sources d'inspiration. On va voir tout à l'heure s'il y a de la coquetterie chez les photographes aussi. Édouard Barra va nous raconter sa vie et qu'on devra rallonger le temps d'émission. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que, Peggy, tu nous... Alors, une question dans le public, donc à Henri Garry, qui est donc professeur et chercheur en littérature comparée. Oui, bonjour. Je m'interroge en écoutant en fait ce qui constitue votre objet de recherche et où en fait il y a un regard très analytique, comparatif, de recherche sur les manuscrits, sur les images. Mais est-ce que vous arrivez à garder un enthousiasme quand vous lisez un livre ou une BD, ou est-ce qu'il y a une position de lecteur dans le privé et votre position de lecteur dans le cadre d'une recherche et qui n'est pas forcément ouvert à l'émotion, aux émotions d'ailleurs, au pluriel. Il a réagi à un dessin de Thibault. Donc. Voilà. Oui, mais peut-être que ce n'est pas son sujet de recherche. Ce n'est pas bon signe. Voilà, c'était juste cette question-là. Alors, si je réponds pour moi, je pense que ce n'est pas le cas de tous les chercheurs et toutes les chercheuses en littérature ou en bande dessinée, je suis incapable de travailler sur quelque chose que je n'aime pas, ou qui ne me passionnerait pas, ou qui, dans lequel je ne rentrerais pas de façon passionnée. Et j'ai même tendance, et c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes jeunes docteurs, doctorantes, si ça ne vous passionne pas, ça va vous ennuyer, et vous n'arriverez pas à faire de la recherche dessus. Donc j'ai tendance à partir, quand je fais une recherche, d'un événement de lecture. Je le dirais comme ça, de quelque chose qui m'a passionné et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça m'a passionné, parce que si ça me passionne, c'est qu'il doit y avoir quelque chose dont on peut, sur lequel on peut réfléchir. Voilà. Bon, on va rester là-dessus et merci Henri de ce partage. Peut-être que Élise, tu as mis, si vous voulez en savoir plus, parce que Henri va certainement participer. Il m'a juste dit qu'il était intéressé, mais là, je tire le fil, je fais de la manipulation en public. Va certainement participer à la Nuit européenne des chercheurs, qui aura lieu le 24 septembre. Et donc, vous pourrez. On parlera d'autres choses. On parlera peut-être plus des villes et des voyages dans les villes, voyages imaginaires dans les villes.
Oui, je me suis permis de mettre sur le chat un lien pour découvrir l'un des livres que tu as écrit, L'engendrement des images en bande dessinée. Donc voilà, si les personnes qui nous regardent en réel ou en virtuel veulent en savoir un petit peu plus ou découvrir certaines choses que tu écris, donc vous pourrez retrouver le lien sur le chat. Et pour les personnes qui sont ici, on pourra vous le donner après l'émission. Merci. On va continuer avec Edouard Barra maintenant, notre photographe en résidence à l'Université de Bourgogne. Edouard, tu es en résidence dans quel laboratoire à l'université ? Alors, je suis en résidence au laboratoire ICB, interdisciplinaire Carnot-Bourgogne, si oui. Je ne me trompe pas, qui regroupe en fait différents laboratoires qui travaillent autour de la lumière, bien entendu. Donc, il y a de la spectroscopie, il y a des lasers, il doit y avoir également des fibres optiques et il y a aussi de la physique théorique autour de la lumière. D'accord. Et peut-être expliquer un peu, en quelques mots, en quoi ça consiste, une résidence d'artiste ? Parce que souvent, on nous pose la question à l'Athénéum, on accueille beaucoup d'artistes en résidence et on dit, mais c'est quoi une résidence d'artiste ? Alors la résidence, comme son nom l'indique pas, c'est pas le fait que je vais vivre chez eux, hein, ou en tout cas dans leur laboratoire, non, je rentre chez moi le soir quand même. Mais la résidence, c'est tout simplement le fait d'installer un petit peu mon matériel, mon petit univers, au milieu de leur laboratoire. Et puis de me laisser un petit peu interpénétrer par leur culture, leurs expériences, de partager aussi moi mon univers photographique, de recherche aussi artistique autour de la photographie, et puis de ces discussions parfois autour d'un café ou autour d'une petite expérience, eh bien on va essayer de construire ensemble une œuvre photographique, et c'est un petit peu le but de rencontrer ces chercheurs-là, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui auraient oublié, photographier c'est tout simplement écrire avec de la lumière. Et comme tous ces chercheurs-là travaillent avec cette matière qui m'intéresse moi également, j'ai voulu les rencontrer pour en savoir un peu plus sur la lumière. Et cette résidence, c'est l'occasion en fait de se retrouver ensemble autour de ce matériau. Et cette résidence, elle vient tout juste de démarrer. Là, on a la chance de t'accueillir et de partager avec toi les premiers instants de résidence, les hésitations, les rencontres, voilà, les premières images que tu as bien voulu nous faire partager ce soir. Exactement. Alors, on voit une image que je vais expliquer un petit peu plus tard. L'idée, c'est qu'on devait commencer normalement en mars 2020. Alors, je refais pas l'histoire, mais en mars 2020, il y a eu une petite complication mondiale qui a fait que, bon, voilà, on s'est un peu tous retrouvés chacun chez soi. Et de fait, après, de problèmes d'emploi du temps, contraintes sanitaires, on n'a pas pu se revoir avant il y a un mois. Et là, ça y est, la résidence est en train de prendre vraiment forme, mais c'est vrai que, voilà, on accuse à peu près un an de retard, mais de la faute de pas de chance, on va dire. Donc, si on peut revenir juste sur cette... je vais venir. sur cette image, en fait, cette image, c'est le début, justement, d'une expérience et de quelque chose qui va se transformer. On verra peut-être la deuxième juste après. Donc, ici, c'est une expérience que un des chercheurs, Vincent Boudon, propose à ses étudiants pour expliquer un principe qui s'appelle le principe de Quet-Taylor. Alors, je ne vais pas expliquer le principe, hein, je suis photographe. S'il te plaît, merci. Je pourrais un petit peu, mais je ne voudrais pas tout déformer. Donc, en fait, si on tourne cette petite manivelle, il y a des stries qui apparaissent dans ce tube. Cette petite expérience-là est en fait là pour expliquer aux étudiants la formation de certains anneaux autour des planètes et d'autres phénomènes qui sont un peu apparentés. Et bien évidemment, moi je me suis retrouvé comme ça avec cet objet que je trouvais déjà juste magnifique. Donc je l'ai emprunté à Vincent, je suis allé dans une salle et puis j'ai commencé à l'éclairer avec mes flashs, avec mon matériel. Et puis, je ne sais pas s'il y a la deuxième image qui va arriver, mais voilà. Et en fait, voilà l'image que vous avez vue, dans quoi elle s'est transformée, avec la magie évidemment de Photoshop. Et l'idée, c'était tout simplement de partir de cette matière qui est voilà une espèce de fluide avec des petites poussières de mica qui sont à l'intérieur,
Et cette histoire d'anneaux qui se forment, etc., m'a inspiré, du coup, par le biais des logiciels tels que Photoshop, que tout le monde connaît, j'ai transformé en fait cette photo en une espèce d'anneau. Et là, je suis en train de continuer de rechercher, c'est en train de devenir une planète pour l'instant. Et l'idée, c'est ça, c'est être inspiré par ce qu'ils proposent, par leurs expériences, par aussi ce que la lumière peut engendrer. Et puis ensuite, en tirer quelque chose un petit peu plus abstrait. J'ai bien aimé tout à l'heure l'intervention de Chacha Boudin qui expliquait comment, effectivement, elle est allée chercher sur ces planches du biologiste ou ces idées de molécules et comment, à un moment donné, nous, artistes, ça va nous inspirer et on va le transformer en une matière... j'aimerais bien, hein, mais c'est compliqué. Toute la lumière est absorbée, justement. Mais comment, voilà, ces expériences vont nous influencer et nous amener à voir justement la lumière et l'expérience un petit peu autrement. Oui, en fait, à montrer autrement les recherches scientifiques, quelque part, par ton œil d'artiste et de photographe. Complètement. Et justement, je trouve que, et c'est vieux comme le monde, hein, des ponts entre art et science, il y en a énormément. Et moi d'abord, personnellement, je suis vraiment fan de science, j'ai fait mes études là-dedans, et avant de m'orienter vers la photographie. Et la photographie, finalement, c'est quelque chose d'assez technique qui utilise justement les propriétés de la lumière, un peu d'électricité, maintenant avec le numérique, l'informatique. Et finalement, c'est justement un outil qui est un peu comme ça, qui converge entre art et science. Vraiment, voilà, pour l'instant, je me régale de les découvrir. Et puis, pour l'instant, je n'ai vu que le labo de laser et le labo théorique. Mais c'est en train de se précipiter. Là. Donc là, les premières images qu'on a vues, que tu nous as partagées, c'est dans un labo théorique. Et on a d'autres images, je crois, qui... tu parlais de laser, justement, où tu as fait des expériences aussi. Voilà. Alors, cette image-là, en fait, encore une fois, c'est une manipulation. À la base, en fait, c'est un laser. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu, le laser, ça ne se voit pas. C'est une particularité, donc c'est une lumière qui n'est pas visible par l'œil nu. Donc les sabres laser, c'est pas vrai alors. Non, pas tout à fait. Ouais. Alors bien que j'en ai vu un quasiment de sabre laser dans les laboratoires, ouais. Je pourrais en parler après. Mais donc ce sabre laser que l'on voit là, le petit trait blanc, en fait ce sont des lasers qui sont dans un laboratoire et qui sont utilisés pour tout un tas d'expériences. Et donc... Évidemment, pour rendre cette lumière visible à l'œil nu, on s'est amusé à projeter quelques poussières pour que ça fasse des petites constellations comme ça. Et puis, vous voyez en bleu et rouge, là, il y a deux espèces de ronds, de disques qui se font face. Eh bien, en fait, tout ça, c'est un laser qui, étant excité d'une certaine façon, se met à dessiner ce genre de forme un peu comme des galaxies. Et puis, en regardant toutes ces images, en réfléchissant à tout ce que l'on avait fait avec ce chercheur avec qui on a bien rigolé en fait dans ce laboratoire, j'ai fini par repenser à ces galaxies, etc. Et donc, du coup, j'ai assemblé différentes images pour faire cette galaxie, mais qui n'a rien d'une galaxie en fait. Hein, c'est tout simplement différentes expériences que l'on a photographiées dans ce labo-là et qui finissent par s'assembler, devenir comme une espèce de constellation, mais qui est tout droit sortie à la fois de mon imaginaire et à la fois des expériences que m'ont permis ces chercheurs. Donc au final, tu cherches pas tout seul, tu cherches avec les chercheurs qui sont aussi avec toi dans ce laboratoire, quoi. Ils expérimentent aussi avec toi, autrement, certainement. On voit une image. Exactement. Donc, le but de la résidence était de venir relativement vierge de projet, mais avec vraiment l'envie de rencontrer ces chercheurs et de leur proposer de travailler ensemble autour de la lumière. Et qu'eux, ils puissent me raconter un petit peu comment ils voient la lumière, d'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique, d'un point de vue de leurs expériences, etc. Et de moi, essayer de l'enregistrer et de... également de leur proposer aussi mon univers créatif et d'essayer de voir ce qu'à deux, comme ça, ou à plusieurs parfois, on pouvait mettre en forme. Parce que
Parce que finalement, quand vous allez dans ces labos-là, il y a sur les murs, il y a plein de beaux graphiques, il y a plein de belles expériences. Il y a des choses qui sont visuellement assez esthétiques, mais qui, pour ces chercheurs-là, n'ont qu'une utilité de recherche, hein, de savoir que, effectivement, ça va donner ça et qu'on va pouvoir interpréter ça. Alors que pour moi, j'y vois quelque chose de plutôt joli. Et si on revient sur le sabre laser dont tu parlais tout à l'heure, dans la photo où on voit la galaxie, il y a un petit trait blanc. Eh bien, ce trait blanc, c'est qu'on le voit en diagonale. Il existe véritablement, il flotte véritablement dans l'air. C'est un laser qui est focalisé et qui devient tellement puissant qu'en fait, il va complètement exciter les molécules d'air qui vont exploser à son passage et qui vont libérer de l'énergie, c'est-à-dire de la lumière. Et du coup, sur un tout petit morceau de 10-15 cm, on va avoir un sabre laser. Là, je te mets au défi de mettre la main, parce que ça brûle, véritablement. Et ce petit sabre laser va également émettre un son. Alors, pas tout à fait ça, à 1000 Hz, exactement. Voilà, c'est un son bien connu de ceux qui font des installations sonores et les vidéastes également. Et donc c'est ça aussi que j'ai capturé. Et c'est un matériau avec lequel je vais continuer de travailler puisque voilà, c'est à la fois intrigant, à la fois très beau, et c'est au-delà de la performance de l'expérience. C'est aussi quelque chose qui visuellement peut donner quelque chose, de l'air qui donne de la lumière. Voilà. Bon, ça donne envie tout ça en fait, on a hâte de voir la suite et une petite exclue ce soir, c'est le fait que Edouard présentera son travail à l'Athénéum en septembre, à partir de septembre-octobre, vous pourrez voir les images que tu auras tout le temps de concocter là dans les jours à venir. Alors nous avons une petite question sur le chat qui entre en résonance avec vraiment ce que tu viens de dire à la fin. Est-ce que ces jeux esthétiques dont tu parlais, enfin tu parlais de l'esthétisme de ces lumières, ça peut donner des idées aux chercheurs ? Donc finalement tu parlais de la manière dont la recherche t'inspire, mais est-ce que tu peux aussi inspirer les chercheurs ? Alors peut-être que en faisant une gaffe lors d'une expérience, on va découvrir quelque chose ensemble. Sinon, non, mes compétences en physique sont très 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 loin derrière moi. J'ose espérer que éventuellement je puisse les inspirer comme ils m'inspirent. J'ai pas cette prétention, mais pourquoi pas. Encore une fois, après tout, dans l'histoire des sciences, il y a eu beaucoup de choses qui ont été en lien entre quelque chose d'esthétique, d'artistique et une réflexion scientifique. Donc, pourquoi pas, ça serait super. En tout cas, ça peut peut-être rafraîchir leur regard. On a souvent vu des programmes de vulgarisation où des chercheurs rencontrent des enfants, d'autres regards et pas forcément obtiennent l'idée lumineuse, mais en tout cas sont remotivés, se dire tiens, j'avais pas vu ça comme ça, etc. Peut-être que ça, tu vas le vivre. Alors, tu crois pas si bien dire. Je vais si, bientôt. Si, je crois. Je vais prendre en photo un des chercheurs qui est malvoyant, qui voit quasiment plus rien malheureusement, et qui s'est beaucoup intéressé dès le départ au projet. Et donc lui, en fait, il travaille sur la théorie. Donc il a les yeux rivés sur ces planches de formules et moi ça m'a énormément touché en plus parce que je trouve les formules relativement belles justement esthétiquement ça fait un peu comme des hiéroglyphes, il y a quelque chose de très très graphique, très beau là-dedans et donc je dis pas comment, mais on va réaliser quelque chose avec lui pour montrer combien ses idées sont lumineuses et combien justement ça flotte dans l'air tout ça. Je crois qu'il y a une question dans la salle. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que depuis que tu es dans le laboratoire, tu vois une espèce de parallèle entre la démarche des chercheurs, ce qu'ils peuvent faire au quotidien, est-ce que toi tu cherches dans la photographie et ta démarche d'artiste? Est-ce que finalement vous avez tissé des liens aussi autour de la recherche d'idées? Et est-ce que c'est la même entre un chercheur et un artiste? Alors on n'en est pas encore là, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, dans les sciences comme dans l'art, je pense qu'il y a une part de créativité. Il faut parfois essayer de sortir un peu du cadre dans lequel
on est tous tentés de raisonner. Et je sais que, par exemple, le modeste Albert Einstein, c'est un petit peu en s'évadant, en rêvant, que justement, il est allé penser le monde autrement et qu'il a réussi à faire ses découvertes. Donc oui, effectivement, encore une fois, je pense qu'il y a de vrais parallèles à faire. On n'a pas encore évoqué la créativité parce qu'encore une fois, malheureusement, on n'a pas trop eu le temps. Mais je suis sûr que ça va venir. Voilà. On a tissé plein de choses, donc on est un peu en retard. Une question rapide et puis après, on passera à nos deux autres invités. J'ai beaucoup aimé la photo en général, mais celle des lasers est magnifique. Et j'ai une question toute simple. Vous avez un titre ? Alors. Un titre ? Oui, un titre. On va le trouver ensemble ? Non. Ouais, bah, il va falloir m'aider là pour l'instant. Ça me faisait penser à deux Caraïbes en Scylla. Je trouvais qu'il y avait du chaud, du froid. Et les deux se rejoignaient. En même temps, ils étaient très éloignés l'une de l'autre. Je trouvais ça joli. Et donc, je voulais juste vous demander si vous aviez déjà un titre. Il y a une proposition. Voilà, mais il y a une proposition. Merci. On se voit tout à l'heure. On pourra faire des exercices de littérature, etc. aussi. Merci beaucoup, Édouard Barra et donc Henri Garrick, pour vos interventions. On a pris un peu de retard, mais on va quand même faire une transition parce que notre canapé va se remplir de nouvelles intervenantes. Une chercheuse, Sarah Huet, et puis notre aventurière, comme je disais, notre aventurière régionale, Aurélie Gonnet. Donc Aurélie et Sarah, vous allez pouvoir venir. Et puis en attendant, je pensais passer juste un petit extrait du petit teaser qu'on avait fait, qui a été beaucoup vu sur les réseaux sociaux, du teaser qu'on a fait du Tour des Savoirs dont va nous parler Aurélie. Mais on va vous le repasser en entier. Donc vous verrez, 1 minute 20 de jeu d'acteurs. Et puis je spoil un peu, ce Tour des Savoirs a bien eu lieu. Aurélie vient de le finir et elle sera là avec Sarah aussi tout de suite après 7 minutes 20. Aurélie ? Hey, salut Lionel ! Qu'est-ce que tu fais ? Bah, ça se voit pas. Je fais mon tour des savoirs, comme tu m'as demandé. Je traverse la Bourgogne-Franche-Comté, je rencontre des chercheurs, des habitants. C'est pas ça qu'il fallait faire ? Si, même que c'est pour notre événement réseau. Et d'ailleurs, je te remercie au nom des universités de Bourgogne et de Franche-Comté. Par contre, pourquoi tu fais ça au milieu de ton salon ? Eh bien, tu vois bien, il fallait trouver une solution avec les confinements, les couvre-feux, la crise sanitaire, tout qui est tout le temps annulé. Je me suis dit, je vais le faire à ma façon, au moins il n'y aura pas de report. Ok, et on appellera ça le plan B. Ben voilà. Alors, bien évidemment, tout ceci a été fait à l'insu de notre plein gré. Ça a été fomenté par Thibaut Roy, qui un jour est venu dire « j'ai une idée de scénario ». Et donc, Sébastien Bernat, qui a réalisé ce teaser. Donc, ce tour a été fait et Aurélie Gonnet, qui est là, va nous en parler d'ici 12-13 minutes. Mais avant, nous allons découvrir notre troisième chercheuse, cinquième invitée, Sarah Huet. Bonsoir Sarah. Bonsoir Lionel. Alors Sarah, tu es biologiste et tes réseaux, ils sont là-dedans. Exactement. Je suis biologiste, microbiologiste plus exactement, puisque j'étudie du coup tous les micro-organismes qui vivent dans le sol. Oui, micro-organismes, donc c'est quoi les vers, les petits insectes, vers de terre Donc non, en fait, ceux-là, je les enlève. Donc là, il n'y a plus de vers de terre là-dedans, il n'y a plus d'insectes, je les ai enlevés.
Moi, je vais étudier donc les micro-organismes, c'est-à-dire tous les organismes, les êtres vivants qu'on ne voit pas, qui sont de l'ordre du microscopique, et donc qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et alors, il y en a beaucoup, on suppose, dans... oui. Là-dedans. Oui, oui. Là, il y a à peu près, vu d'œil, 70 grammes de sol. Et il faut savoir que dans un seul gramme de sol, il y a déjà environ, rien que pour les bactéries, plus d'un milliard d'individus. Rien que pour les bactéries. Avec des milliers d'espèces et rien que pour les bactéries. Il faut savoir qu'il y a aussi des champignons et également des protistes parmi les micro-organismes. Qu'est-ce que c'est les protistes, tiens je... c'est un peu le parent pauvre de la microbiologie. Ils sont très diverses, moins étudiées que les bactéries et les champignons. Mais il faut savoir qu'il y en a énormément également. Et en fait, le plus connu d'entre eux, par exemple, c'est l'amibe. Vous avez déjà peut-être entendu parler des amibes. C'est un des protistes qui existe, par exemple, dans les sols. Alors toi, Sarah Huet, j'ai oublié de te présenter. Tu viens de l'INRA Bourgogne-Franche-Comté, donc doctorante jeune chercheuse à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, on t'a dit, ton programme de thèse, c'est de regarder les interactions entre ces micro-organismes. Mm-hmm. Donc toi, tu as un réseau, et ton réseau, alors du coup, il a un milliard de points d'individus. D'individus ou tu t'en sors un peu mieux que ça, parce qu'un réseau avec un milliard d'individus. Bah oui. Bonne chance pour ta thèse. En vérité, c'est vrai que le réseau est constitué de chacun des individus. Mais ouais. Nous, pour le comprendre, il faut qu'on le simplifie. On ne peut pas comprendre un réseau constitué d'un milliard d'individus, rien que pour les bactéries, comme je le disais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre déjà les plus abondantes, celles qui sont présentes, et on va les regrouper par espèce ou par famille d'espèces. Et c'est ensuite ces familles ou ces espèces qu'on va regarder individuellement. Comment on fait? Parce que moi, j'arrive à voir qu'un chien est différent d'un chat. On nous dit que les espèces, si elles peuvent se reproduire et que c'est viable, deux individus font partie de la même espèce. Enfin, je sais plus, moi, j'avais dû apprendre ça en ayant arrêté la biologie en troisième. Est-ce que quand c'est des bactéries, comment vous faites pour définir des espèces de bactéries? Surtout alors, quand on a un truc de sol comme ça. Oui. Donc il y a une classification des bactéries, hein. Donc il y a des genres et des espèces, comme pour les animaux ou les plantes, en latin. Sauf que la limite pour les espèces bactériennes est encore floue. En fait, il n'y a pas de consensus vraiment établi sur comment on définit une espèce bactérienne, puisque déjà elles n'ont pas de reproduction sexuée. Se reproduit puis c'est bien, ça marche pas. Ouais. Donc on ne peut pas appliquer la définition d'espèce qui est valable pour les animaux ou les plantes, on ne peut pas l'appliquer aux bactéries. Donc pour définir une espèce de bactérie, on va se baser sur leur ADN en fait. Et les bactéries qui ont un ADN très similaire, donc quasiment le même ADN, on va considérer qu'elles font partie de la même espèce. Et on va fixer un seuil qui est arbitraire, qui est fixé par nous ou par la communauté scientifique microbiologique de manière générale, qui est à 96% de similarité entre deux ADN. Ouais, ça serait un bon jeu de mots. Mais c'est un seuil arbitraire de similarité entre les séquences d'ADN qui va nous permettre de dire si des bactéries appartiennent à la même espèce ou non. Alors du coup, tu passes ces grammes ou ce sol que tu as récupéré, que tu étudies, à l'analyse ADN, et combien vous récupérez d'espèces du coup, combien vous pouvez dire qu'il y a d'espèces dans ce genre de petits échantillons? Donc dans ce sol là nous on a défini à peu près plus de 5000 espèces de bactéries, au moins autant d'espèces de champignons et de protistes. Donc ça fait un grand nombre de bactéries, d'espèces de bactéries, et donc c'est pareil, on va regarder les plus abondantes, parce que c'est pareil, un réseau avec 5500 espèces, déjà mon ordinateur n'arriverait pas à l'afficher, je pense. Et puis même pour le comprendre, nous, il faut simplifier les choses. D'accord, alors on va pas à pas, et là le but du jeu, ça va être de comprendre, et du coup là on va être vraiment au cœur de la notion de réseau, les interactions,
parce que c'est pas si connu que ça, apparemment. Et puis comprendre les interactions, il y a quand même des enjeux, même si c'est de la compréhension, on verra peut-être plus tard, peut-être qu'il y aura des questions dans le public. Comprendre les interactions qu'il y a dans le sol, ça peut être important, parce que si on enlève quelque chose, est-ce que ça va continuer à être un sol aussi riche, etc. Donc dans cette compréhension du sol, tu en es à 5000, c'est ça ? Du coup, enfin un peu moins. Et qu'est-ce que tu fais pour comprendre comment ces espèces de bactéries interagissent les unes avec les autres ? Parce qu'on suppose que prendre une caméra puis regarder, ça ne doit pas être la bonne idée, je pense. Non, déjà, il faudrait une caméra microscopique. Et puis, et en fait, on ne va pas se servir du microscope du tout pour étudier les interactions, puisque le microscope nous permet de voir que quelques individus à la fois. Et nous, ce qu'on veut observer, c'est l'ensemble de la communauté. On parle de communauté bactérienne. Ce sont tous les micro-organismes qui vivent ensemble au même endroit. Et ils forment une communauté. Et du coup, nous, enfin, ma thèse va porter sur... on essaye de voir, en fait, les interactions entre les micro-organismes au sein de la communauté et comment les modifications de ces interactions vont modifier la totalité de la communauté, en fait. D'accord. Alors, comment tu fais ces modifications de... Oui, donc, du coup... Dans la communauté, oui. Oui, parce que du coup, si je regarde juste l'ADN, donc c'est l'ADN qu'on regarde pour voir qui est présent, qui est présent dans la communauté. Si je regardais juste comme ça l'ADN qui est présent dans mon sol, c'est presque ça. Ouais. Ou... C'était pas un prêt, mais c'est presque ça. Et donc, pour savoir qui interagit, je peux pas regarder juste qui est présent, puisque je vais juste voir. Lui est présent, sans voir les interactions. Mmh. Donc il faut d'abord que je perturbe ma communauté, c'est-à-dire qu'on va enlever un membre de la communauté, et d'accord. En fait, on va faire l'hypothèse que si on en enlève un membre qui est un compétiteur potentiel, ben, ceux qui restent, ces compétiteurs qui restent dans la communauté, vont pouvoir se développer d'autant plus qu'ils n'ont plus leur adversaire, entre guillemets, leur compétiteur. Donc ça, c'est des choses que tu as fait concrètement dans ton travail. Tu t'es amusé à... Enfin, amusé. Pardon, je dis amusé, mais c'est pas du tout péjoratif parce que ça motive. Tu as enlevé un membre de la communauté ton échantillon. C'est ça. En fait, donc j'ai trouvé 18 façons différentes d'enlever des membres, de 18 membres différents de la communauté. On sait savoir que pour enlever un microbe d'une communauté de sol, bah, on peut pas juste enlever un grain de sol, ça va pas marcher. Enfin, ouais, voilà, ouais. C'est pas comme ça qu'on procède. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va chercher à tuer certains membres de la communauté, parce qu'on peut pas les retirer comme ça. De sol, hein, on est toujours dans le sol. Oui, bien sûr. Et donc voilà, quand je suis arrivée au début de ma thèse, on m'a dit, bah voilà, tu as du sol, il faut que tu trouves 18 manières différentes de tuer des microbes. Voilà, et différents microbes à chaque fois. Donc c'est comme ça qu'on a pu modifier la communauté. D'accord. Donc ça, c'était notre première approche. Peut-être qu'on va attendre les résultats avant de... Et alors, qu'est-ce que tu as obtenu ? On se doute que c'est un peu du genre... Tiens, c'est pas parce qu'il y avait eu les fables de La Fontaine, mais je me fais une petite fable qui est peut-être pas de La Fontaine. Je sais que le loup mange la chèvre et que la chèvre mange le chou, et que si j'enlève le loup, alors qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura beaucoup plus de chèvres. Et donc, il y aura beaucoup moins de choux après, parce que les chèvres vont manger tous les choux. Donc, il y a des trucs en cascade comme ça. Voilà. C'est un peu ça que vous cherchez. Si tu enlèves le loup, est-ce qu'il va y avoir moins de choux ? Et du coup, tu auras compris que... C'est ça. C'est d'accord. Un petit peu ça qu'on a fait, effectivement. On a essayé d'enlever le loup et de voir, en fait, qui étaient les chèvres, puisqu'on ne savait pas qui étaient les chèvres, déjà. D'accord. Et qui étaient les choux aussi, on ne savait pas. Donc, c'est justement ça qu'on a cherché. Et la réponse est là, alors. Exactement, la réponse est là. Donc, c'est donc ce genre de réseau. Grâce à cette expérience, on a pu construire ce genre de réseau donc, qui va résumer les interactions qui se produisent au sein de cette communauté microbienne. Et on voit donc ici en rouge les interactions qui vont être négatives, c'est-à-dire plutôt de l'ordre de la compétition entre deux... Donc là, c'est des familles d'espèces, des classes plus exactement. Et les traits en bleu vont représenter les interactions positives, puisqu'il n'y a pas que de la compétition au sein d'une communauté. Il y a, comme vous pouvez le voir, bien plus de coopération, en fait. Enfin, il y a en tout cas bien plus de traits bleus ici que de traits rouges dans la communauté.
D'accord, il y a de la coopération dans le sol. Ce qui est assez génial, c'est qu'on se dit, tu as fait 18 fois des expériences, du coup j'en enlève un, et puis en science à l'ancienne, on aurait dit, bon ben voilà, là ça s'est peut-être plus développé, là un peu moins, et tu mets tout ça, il y a des programmes informatiques, ben, tu fabriques des oui. choses pour les mettre dans les programmes informatiques, et ça te dit, bon ben ça veut dire que c'est lié avec ça, que lui s'entende bien avec lui, que lui mange lui. Donc ça, c'est le résultat de combien, d'un an hein? Un an d'expérience, non ? Oui. Un peu plus ? En fait, l'expérience a été assez rapide. Donc, on a fait sur 3 jours les traitements pour donc enlever des membres de la communauté. Ça a duré 3 jours. On a laissé un petit peu de temps à la communauté pour se reconstituer. Donc, il y a 1 mois et demi d'incubation. Donc, en gros, ça a duré 2 mois l'expérimentation. Ensuite, il a fallu faire les analyses ADN pour avoir les séquences ADN. Et le plus long, en fait, c'est la suite, c'est l'analyse bioinformatique. Une fois que j'ai mes données ADN, donc d'ADN qui a été séquencé de mes échantillons, là, j'ai passé quasiment 1 an dessus, à analyser pour voir qui est là, qui interagit avec qui, et donc construire ce réseau, en fait. D'accord. Alors, des questions sur les réseaux. Oui, alors on a 3 petites questions, dans le sens où tu... On n'est pas obligé d'entraîner des réponses forcément très longues, mais on a Robin qui nous demande « Est-ce que tu trouves de nouvelles espèces ?» Et on a ensuite 2 questions sur les échantillons, notamment quelqu'un de célèbre. Il y a Darwin qui nous demande « Les échantillons ont-ils une durée de vie pour une étude fiable ?» Et Marie-Vonne, est-ce que ton échantillon peut être considéré comme représentatif ? Ils sont dans ton jury de thèse, là, Darwin. Alors, la première question, est-ce que tu trouves de nouvelles espèces ? Alors, moi, c'est pas le but de ma recherche, c'est pas de trouver de nouvelles espèces bactériennes. Par contre, effectivement, il y a des séquences ADN qui correspondent à des individus dans ma communauté dont on ne connaît pas l'espèce. Donc ça, des unknowns, des inconnus, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, beaucoup. Parce que faut savoir qu'en fait, pour deviner qui est là, je me sers d'une base de données qui est préexistante et que, en fait, dans les bactéries, on en connaît à peine 10% des bactéries qui existent sur Terre. Donc moi, je peux reconnaître seulement ces 10% qu'on connaît, en fait. Donc tout le reste, c'est des bactéries inconnues. Ensuite, pour la durée de vie des échantillons, effectivement, il ne faut pas qu'on attende trop longtemps parce que sinon, les bactéries vont mourir. Après, comme on observe l'ADN, ça va plutôt être au niveau de la durée de vie de l'ADN que ça va jouer. Et là, une fois qu'on le met au congélateur, je peux le garder 1 an au congélateur sans que ça bouge, en fait, avant de faire les séquençages derrière. Donc ça, c'est bon. Et la dernière question, c'était la représentativité de ton échantillon. En quoi ton échantillon peut-il être considéré comme représentatif ? Alors, représentatif... Ah oui, c'est-à-dire que tu l'aurais pris au Sahara, peut-être que ça n'aurait pas représenté c'est sûr. Les tourbières du Jura. Donc peut-être Aurélie va nous parler tout à l'heure, je ne sais pas. Donc effectivement, le sol qu'on a choisi, il n'est pas représentatif des sols, puisqu'il y a tellement de sols différents. Nous, on a choisi un sol qui est particulièrement sableux, parce qu'il est homogène, et du coup, les traitements qu'on appliquait étaient appliqués de la même manière sur toute la communauté. Mais on ne cherche pas à être représentatif dans cette étude. On cherche à trouver des interactions, et ensuite, on ira vérifier si elles se produisent dans d'autres sols, effectivement. Ok, on avance petit à petit, et pour autant, je vais quand même te faire la question Jean-Jacques Bourdin. c'est bien joli, c'est voir qui est ami avec qui dans les sols, mais moi, si je suis l'agriculteur, et puis je dis, ben voilà, si j'élimine telle bactérie dans mon sol, est-ce que ça va plus pousser ou est-ce que je peux continuer, quoi ? Alors, ce serait si simple si on avait juste une bactérie à enlever et que ça pousse mieux. Mais non, en fait, ma thèse, c'est vraiment ce qu'on appelle de la recherche fondamentale. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre ce qui se passe déjà. Et une fois qu'on aura bien compris ce qui se passe, à ce moment-là, on pourra voir de futures applications au champ. Et mieux comprendre les communautés microbiennes, ça peut permettre, au niveau agriculture, les communautés microbiennes sont primordiales dans nos sols. Enfin, voilà, on sait qu'elles vont influencer les maladies, la santé des plantes, les rendements. Enfin, elles vont influencer énormément de choses au niveau de l'agriculture. Et donc, si on sait mieux les comprendre, ces communautés, on pourra mieux en prendre soin, en fait, pour avoir une agriculture un peu plus résiliente face aux changements qui s'amènent. Eh ben voilà de belles perspectives. Est-ce que je vois Thibaut dessiner ? Est-ce qu'avant de passer à notre dernier invité, on laissera le...
Ah voilà, il s'intéresse au sol. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On pourrait l'aider à continuer. On va. Ben, merci beaucoup, Sarah. Merci. Bon courage. La soutenance, c'est quand? Oh, pas tout de suite. Je suis à la moitié pour l'instant. Il me reste encore un an et demi. D'accord. Donc, ben, continue bien. Et donc là, on voit vraiment une incarnation qui est le résultat d'un travail d'une chercheuse, enfin, avec des collègues qui est sous forme d'un réseau et qui cherche un réseau. Mm-hmm. Et ça sert à savoir et ça aura des enjeux. Ça a des enjeux pour l'avenir et pour notre planète. On va passer à Aurélie, notre dernière invitée. Bonsoir Aurélie, connais. Bonsoir. Alors, on rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, donc toi tu es chercheuse en... en savoir. Donc il y a un en peu plus d'un an. En itinéraire routier. En quoi? En itinéraire routier? Ah oui, parce que tu t'es perdue. Bon, on verra. Alors, il y a un peu plus d'un an, tu étais partie en Chine à vélo. Et puis je me souviens, tu étais une star et tout, mais j'avais quand même osé t'envoyer un petit message par Messenger, Facebook, et je te demandais si c'était un message pour savoir si ça te disait de faire un tour chez nous. Elle était je sais plus où. Et au Tadjikistan. Hein, t'étais où? J'étais au Tadjikistan, dans la région du Pamir. D'accord. Et elle m'a quand même répondu. Et elle m'a répondu, ah ouais. Yes woman, elle a dit oui. Est-ce que tu regrettes, du coup? Ah ben non, je regrette pas du tout. Et puis en plus, quand j'étais partie de Dijon les trois premiers jours de ce grand voyage, je redécouvrais en fait la Bourgogne-Franche-Comté. J'étais déjà dans un mood exploration et je me disais, c'est dommage, je suis en train de partir à l'autre bout de la planète alors que la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a plein de choses à découvrir. Et du coup, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, bah, allons-y. Voilà, donc on rappelle que Aurélie voilà, part en aventure comme ça. Elle se déclare elle-même pas sportive et puis elle va faire du vélo, des milliers de kilomètres de vélo, puis après elle fait un marathon voilà, pour la cerise sur le gâteau en Chine. Donc ça avait été ta grande aventure d'il y a un peu plus d'un an et demi, qu'on peut suivre, parce que c'est une aventure, c'est pas juste une aventure sportive, etc., c'est vraiment tes récits qu'on peut suivre sur notamment Direction l'Horizon, donc sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Et puis donc on t'a proposé à l'université de venir faire un tour chez nous et puis de faire un tour des savoirs. Et on avait discuté un peu de savoir quand même. On voulait que ça soit ouvert, que ce soit pas juste les savoirs des chercheurs à un endroit et à un autre. Mais on s'était bien gardé de partir avec une définition de savoir. Est-ce que toi, ça t'a pas fait peur de partir là deux semaines, recueillir des savoirs et sans savoir? Ben, je me suis dit, je vais pas leur dire que j'ai pas conscience de ce qu'est un savoir. Peut-être que je l'apprendrai sur la route. Mais en tout cas, la notion de savoir, ça m'intéressait parce que souvent dans ma vie, j'ai l'impression de pas savoir, de jamais savoir assez ou de toujours en savoir moins que les autres. Et du coup, là, de partir à la recherche de savoir, alors à la fois de savoir scientifique et de savoir que les gens pouvaient avoir, je trouvais ça intéressant. Et puis, dès la première rencontre d'une personne qui n'était pas une chercheuse, quand je lui ai dit, ben, tu as un savoir, c'est une jeune femme qui construit des cadres de vélo du côté de Nevers, des cadres de vélo artisanaux, elle m'a dit, ah ben non, moi, j'ai pas de savoir. Et du coup, c'était intéressant dès le départ de constater que les gens n'ont pas forcément conscience qu'ils ont un savoir. Ah oui. Et le pas de savoir, du coup, c'est riche pour nous parce que ça te met en position d'écoute, en fait. Ah bah si oui. Tu dis, j'ai pas de savoir, oui, donc oui. Tu poses des questions. Et nous, bah, du coup, on s'est un peu servi de ça pour faire recueillir ces savoirs. Donc, cette première histoire avec la cadreuse, je sais pas si Soigny. On peut dire ça, avec Soigny, elle est racontée. On donnera les indications pour retrouver toutes ces histoires. Et après Soigny, tu as bien galéré pour le Morvan. On avait conscience de ton inconscience de partir dans le Morvan et de pas savoir que ça montait. Bah, oui, bah, avec Thibault, on rigolait bien. Je suis rentrée de voyage. C'est vrai qu'en général, on me dit, bah, t'es allée jusqu'à Pékin, donc t'es sportif, t'auras pas de problème à traverser la Bourgogne-Franche-Comté. Mais là, voilà. Ça faisait un an et demi que j'avais pas fait de sport, que j'étais pas remontée sur mon vélo de voyage avec les 30 kilos de sacoche. Et on m'avait effectivement dit, oui, dans le Morvan, tu verras, ça monte et ça descend. Ouais. Et il y a eu une journée où il y avait 32 kilomètres de montée.
Et j'avais pas conscience, moi, la veille, quand on m'a dit il y a 32 km de montée. Je crois que j'avais oublié. J'avais oublié ce que c'était. Et en tout cas, c'était 32 km intéressants, parce que déjà, je me suis perdue dans les bois. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se perdre dans les bois et de croire qu'on va passer la nuit dans les bois. Mais c'était aussi pour rejoindre donc une chercheuse, Caroline Darroux, qui est anthropologue, qui est à Hanau, à la Maison du patrimoine oral. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle aussi, elle collecte des savoirs. Donc, ouais. Elle a pu me donner sa définition d'un savoir. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Alors, elle m'a expliqué qu'elle, elle ne s'intéresse pas, pour le coup, au savoir scientifique qui répond à un protocole qu'on peut vérifier, qu'on peut refaire, qu'on peut revérifier, mais elle s'intéresse au savoir des habitants, donc qui sont des savoirs oraux ou des gestes aussi. Et puis, elle m'expliquait qu'un savoir, on sait qu'on a un savoir... Quand c'est quelque chose qu'on a éprouvé, qu'on a expérimenté, ça peut être intuitif aussi. Et une fois qu'on a constaté que ce savoir fonctionne, par exemple ça peut être un savoir-faire, on peut dire qu'on l'a constitué en savoir. Et elle m'expliquait, quand je lui ai dit qu'Annevers Soigny n'était pas consciente qu'elle avait un savoir, elle m'a dit que c'est parce que le savoir, à la base, c'est quelque chose qui est un peu détenu par les lettrés. Et dire qu'on a un savoir, voilà, il faut réussir à l'assumer. Et sur le chemin, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de savoirs partout. En fait, dès qu'on rencontre une personne, il y a du savoir, mais les gens n'ont pas forcément conscience qu'ils peuvent mettre un mot là-dessus. D'accord, donc ça a tissé alors. Et moi, je ferai un rapport, parce que le savoir, et c'est notre travail, nous, médiateurs, c'est que pourquoi on fait ça, c'est parce que le savoir, c'est des histoires aussi. C'est comment un tel a créé, est-ce que Edouard, avec les scientifiques, il va trouver un truc et puis on pourra le raconter. Enfin, ça fait partie de la vie. Caroline, ce qu'elle fait, elle le fait avec un savoir d'anthropologue, mais elle fait aussi sortir des histoires. Ça fait un peu penser à la littérature, non ? Ce qu'elle fait sortir du Morvan, en fait. Oui, et elle le rattache très précisément à ça, puisque elle s'est intéressée à la parole de vieilles femmes. Donc elle avait identifié dans les villages presque des personnages de contes, des vieilles femmes, plutôt des personnes isolées. Et elle s'était rendue compte que d'un village à l'autre, les gens parlaient de la même façon de ces femmes-là. Et elle, en connaissant beaucoup de contes et de récits, elle s'est rendue compte qu'il y avait une réminiscence en fait culturelle de personnages de contes et qu'elle elle pouvait presque voir des personnages à travers ces femmes-là. Ouais. Et elle s'est d'autant plus intéressée au Morvan qu'au départ, elle avait fait une licence de lettres et elle s'était dit « Chez moi, on parle d'une façon... » que je ne retrouve pas ailleurs. Et pour elle, dans son esprit, ça constituait déjà une forme de littérature. Et quand tous ses autres camarades ont commencé à choisir des thèmes de mémoire, étudier Proust, étudier voilà, des grands auteurs connus, elle s'est dit, moi, je veux faire un mémoire qui va parler de la façon dont on parle chez moi. Et elle a développé un protocole d'analyse, donc elle a trouvé des figures de style. Et elle s'est rendue compte qu'il y a une vraie littérature orale, en tout cas, dans le Morvan. Alors, on aura envie de poursuivre que Henri peut-être propose à des doctorants de faire cette littérature comparée avec le Morvan. Dans toutes les histoires, il y a des apothéoses, des moments forts, etc. Pour toi, de ce voyage, alors on le sait tous, puis tu nous le diras après, au début, on avait prévu 7 semaines. Finalement, oui. Avec toutes les aventures qu'il y a eu, il n'y a eu plus que 2 semaines, mais ça a quand même été riche et tu as eu un point fort. Qu'est-ce que tu voudrais oui, aller parce ton que top 2 sur le chemin, on ne sait jamais qui on va rencontrer. Et il y avait quand même dans ce projet-là, il y avait des rencontres de chercheurs qui étaient prévues. Et après, dans ma façon de voyager, j'ai l'habitude de rencontrer des gens sur la route. Mais je me disais, est-ce que je vais trouver des gens ? Et oui. Est-ce que je vais identifier un savoir ? Et est-ce qu'à la fac, des recherches, enfin, on va pouvoir rebondir sur des savoirs de chercheurs ? Donc moi, j'avais cette petite pression-là. Et il se trouve que dans le Morvan, à un moment, je roule. Il faisait pas trop mauvais ce jour-là. Et j'aperçois une petite maison en bois, mais vraiment une maison de contes de fées. Et je me suis dit, c'est marrant qu'il y ait des gens quand même qui vivent là avec cette vue
et qui vivent dans ce qui, en tout cas dans mon imaginaire, constitue un idéal de maison. Donc je suis allée taper à la porte et Pascal et sa femme étaient là, Corinne. Et en fait, eux, ils étaient passionnés par les... Enfin, ils adoraient les maisons de fuste qui sont dans le Queyras, donc des maisons qui sont faites en bois. Et le Queyras, c'était trop cher pour eux. Ils ont décidé de faire leur maison eux-mêmes dans le Morvan. Et tout ça, c'est parti d'un livre. Ils ont trouvé un livre, L'art des fustes. Et le livre expliquait étape par étape comment on construit une maison. Mais ça partait du bac à sable. Ça passait ensuite, c'était par étape. Première étape, construisez votre bac à sable. Deuxième étape, construisez votre petite cabane. Troisième étape, vous allez constituer votre maison. Et ce qui est incroyable, c'est que ce gars-là, quand je lui ai dit, mais alors du coup, votre métier, c'est charpentier, c'est menuisier, il m'a dit, ah ben non, moi, je suis cuisinier. Et ce qui était beau, c'est que eux, c'est des gens qui sont très, très curieux et qui n'ont pas peur d'aller chercher du côté aussi de la recherche et des sciences, des éléments. Et il me disait, bah, nous, on s'intéresse beaucoup à l'archéologie expérimentale. Donc, elle est céramiste. Elle avait envie d'avoir un four. Ils ont construit un four gallo-romain. Et du coup, quand ils ont une question, eh bien, ils me disaient, nous, on va voir vers le passé. On se dit que si les gens de la préhistoire ou d'autres périodes ont réussi à construire des choses, bah, nous, on va y arriver aussi. D'accord. Et ça, alors, on a fait rebondir. Alors, tiens. Tout ce que je sais, c'est qu'il a beaucoup plus. Elle sait quand même beaucoup plus d'autres choses. Mais il n'écoute pas, Thibault. Non, mais c'est vrai qu'il y a une concentration de pluie en mai, d'après Benjamin Paul, climatologue à l'Université de Bourgogne. Voilà, on a fait quand même quelques liens. Vous pouvez voir, donc il y a une petite vidéo avec Benjamin Paul qui rassure Aurélie et qui raconte des choses. Yves nous avait aussi répondu sur cette question. Est-ce que Aurélie est maudite et par tout utile, a décidé de faire pleuvoir sur Aurélie et que le climatologue aurait pu prévoir ça. Donc il y a une réponse de Benjamin Paul. Donc on vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux. Du coup, j'en ai perdu mon fil. Ah oui, si, cette idée de ces personnes qui faisaient leur maison un peu comme à l'ancien temps. Donc, on a fait rebondir ça avec de l'archéologie expérimentale. Ouais. Et donc, voilà, c'était intéressant, à la fois pour moi et pour eux, d'avoir un regard de chercheur d'accord. sur alors, ce qu'eux faisaient. Là, sur les réseaux, vous verrez donc Julien Garry, qui est un historien et qui, pour confronter les écrits qu'il trouve à une idée de la réalité, mais en expérience. Bon, là, c'est des combats, mais on sait qu'il y a des gens dans les laboratoires Arteis, par exemple, à l'Université de Bourgogne, je fais ça parce qu'ils sont à l'étage dans notre labo, qui font des expérimentations pour voir si on arrive à reproduire ce que faisaient les gens dans le passé. Alors ça, on n'a pas eu trop le temps d'en parler, mais voilà, continuez à nous suivre si on arrive à faire ça, peut-être dans les nuits des chercheurs, à parler de cette fameuse archéologie expérimentale. Une question sur Internet, et puis on peut se préparer s'il y a des questions dans le public. Alors, on a une question. Donc, tu as parlé de très bons souvenirs que tu as vécu, et là, ça va résonner avec la concentration de pluie, peut-être. C'est la plus grosse galère que tu as pu vivre. Et je cite tout de suite une autre question qui va peut-être faire écho d'Emmanuel, qui dit « Aurélie, avec l'excitation de reprendre la route après ces périodes de crise, tu en oublies même la pompe à vélo, comme quoi on apprend tous les jours des humains, un épilogue de ce tour des savoirs. » Alors oui, ça a commencé étrangement puisque j'ai commencé le tour des savoirs avec mon pneu avant dégonflé le premier jour. Et c'est vrai que je suis partie avec peut-être avec un peu trop de confiance en me disant bon, j'ai peut-être pas besoin de checklist. Je sais justement, je sais ce que c'est un voyage à vélo, je sais ce qu'il faut. Ben non, j'avais oublié. L'essentiel, et du coup, une des galères, mais dont je suis quand même très très fière, c'est que moi, pendant mes voyages à vélo, ça fait 5-6 ans que j'en fais, j'ai jamais eu de pépin technique à réparer moi-même. Donc, ça fait 6 ans que je ne sais pas changer une chambre à air. Et là, du côté d'Arbois, eh ben, j'ai eu à le faire moi-même et j'ai réussi. Donc, c'était le pépin, mais moment de gloire pour moi. Donc, ça, c'est assez gonflé quand même. Tu as fait quoi 25 000 km depuis 4 ans sans changer une chambre à air. Voilà. Bah oui, bah comme et quoi, on t'a ça proposé arrive. De se faire ce tour des savoirs. Quelle inconscience. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions dans la salle? Donc, la thématique ici, c'est réseau. Et l'une des idées.
c'était, alors il y a une très jolie carte, allez, je le dis dès maintenant, hein. Vous pouvez aller sur, ça s'appelle un Génialif, donc c'est un site, c'est génial, c'est Aurore Valex qui est là, qui l'a fait, où on peut retrouver le parcours d'Aurélie, et on peut retrouver au fur et à mesure, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on peut retrouver tout ton voyage. Top. Alors c'était quand même prévu de 9h à Morteau, ça va, t'es quand même pas allé jusqu'à Montbard ou on ne sait où. Mais cette idée de réseau qui se tisse par le savoir de l'un ou la personne qui dit « ah bah tiens, va voir tel autre », est-ce que ça t'a pu un peu le jauger ou est-ce que c'était difficile ? Eh bien, en fait, je pense que ça fonctionne très bien, mais il faut plus de temps. Ouais. Parce que là, en ayant les rencontres prévues avec les chercheurs, des fois à 3 jours d'écart, ça ne me laissait pas suffisamment de temps de rebondir sur les personnes qu'on me recommandait. Là, par exemple, tout à l'heure, on parlait du couple qui vivait dans la maison de bois. Eux, ils avaient plein de monde à me présenter, mais je manquais de temps parce qu'il fallait que 2 jours après, je sois à Beaune. Mais vraiment, enfin, dans les voyages à vélo, en tout cas dans la façon dont je les vis et puis où j'ai pu les expérimenter, notamment sur le voyage de 8 mois jusqu'en Chine, alors là, ça marche du tonnerre. D'accord. Parce que souvent, c'est même la famille qui recommande d'aller à un autre endroit ou d'aller voir l'épicier du coin ou d'aller voir la maîtresse qui va me représenter quelqu'un, puis aller à un mariage et au mariage, on re-rencontre quelqu'un qui me dit « mais il faut que tu vois le gars qui fait ça là-bas vers la mer ». Donc, dans la vraie vie, ça marche, mais là, j'ai manqué de temps. 2 semaines, c'était trop court. Donc, ça veut dire que quand on prévoit nos vacances, il faut écouter, c'est un peu une éloge de l'errance et du détourisme plutôt que le tourisme. Il ne faut pas de date de retour. Il ne faut pas d'impératif, il ne faut pas de rendez-vous. Ah bah bonjour les messages, donc les étudiants. Alors, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions à Aurélie Gonnet ? Donc on retrouve, tu as encore des choses à écrire sur ton tour des savoirs ? Oui, pour l'instant, j'en ai rédigé que la moitié. Parce que, du coup, rédiger, ça prend du temps sur le chemin aussi. Du coup, là, au fil de la semaine, je vais continuer le récit jusqu'à Morteau. D'accord, on a envie qu'il y ait un livre, là. Il n'y a pas déchargé d'édition. d'édition. Élise ? Alors, je pense que la question va aller de soi, mais c'était très chouette de te suivre sur ce tour sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a donné envie de refaire un tour des savoirs plus long pour une prochaine fois ? Donc, c'est un peu la question de « et maintenant ?» Est-ce que d'autres voyages t'attirent ? En tout cas, j'ai très envie maintenant de faire Morteau-Nevers. Parce qu'il y a des rencontres qui n'ont pas pu se faire. Et je pense qu'en prenant le temps... De toute façon, la région Bourgogne-Franche-Comté, je pourrais partir 6 mois, tu vois, à la découverte de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il y a de quoi faire. Donc, oui, j'envisage l'épisode retour, retour à l'envoyeur. Et puis après, dans les prochains voyages, par contre, plus exotiques, je vais faire le sud du Maroc. Ok, donc on continue à te suivre sur Direction l'Horizon et puis sur ce Géniali. Voilà, bah je pense qu'on va dire les mots de la fin. Les mots de la fin. Donc les mots de la fin, c'est quoi ? C'est merci. Voilà, c'est là où je perds mes... Et puis c'est les prochains rendez-vous aussi qu'on va vous signaler dans le cadre de la Biennale Réseau. Donc on continue ce mercredi 2 juin à 18h. On vous propose une rencontre en ligne avec des artistes et des chercheurs qui mettent en avant la rééducation du geste comme solution thérapeutique en lien avec la création. Donc voilà. On a un visuel pour ça même. Voilà, on a un visuel qui va arriver. La rencontre s'appelle Corps et graphie sonore. C'est une rencontre qui est en lien avec un spectacle arachnite qu'on a accueilli à l'Athénéum il y a quelques semaines de cela et qui est d'ailleurs encore visible sur la page YouTube de l'Athénéum. Voilà. Donc ça, c'est encore Réseau Partout Utis. Encore dans Réseau Partout Utis, on peut avoir, c'est le visuel suivant, c'est un chercheur au bout du fil, c'est vendredi à 18h heure française, mais midi au Québec et 20h à La Réunion. En fait, tous ensemble, c'est des jeunes chercheurs du réseau des expérimentariums qui se mobilisent pour faire des petites rencontres sur Zoom. Là, et c'est assez intimiste. Vous avez votre chercheur qui travaille sur les sèches, par exemple, ou sur la santé au Québec avec vous. Et donc ça, vous pouvez vous inscrire sur le site
site experimentarium.fr. C'est à 18h vendredi. Donc Élise va mettre les liens dans la conversation YouTube. Et puis, il y aura d'autres rendez-vous, des jeux. Oui, des... il y a plein d'autres rendez-vous encore jusqu'au 7 juillet. Donc la biennale se poursuit jusqu'au 7 juillet. On a, avant le 10 juin, on a une performance sur les enquêtes sur Internet avec l'artiste Magali Desbazeilles. Ensuite, on a un escape game géant qui s'appelle le Bureau des Super Réseaux qui aura lieu à l'Arquebuse. Donc c'est ouvert. C'est avec Créanime, ça, ils sont assez connus. Non, voilà, ça c'est ça, c'est avec Créanime. Et puis pour terminer en beauté, on aura un game concert à l'Athénéum avec le groupe Totoro. Donc venez nombreux. Voilà, donc vous pouvez revenir à l'Athénéum et puis vous pouvez aller voir la page Facebook Réseau Partout Utis et puis aller voir ce fameux Géniali, donc qui est un site qui regroupe presque tout, et donc l'adresse est mise sur la page Facebook, et si c'est pas fait, ben on va le faire. Alors merci à toute l'équipe de Réseau Partout Utis, au pôle culture, donc et particulièrement à la mission culture scientifique et l'Athénéum, et puis merci à Couverture Image qui nous a couvert cette émission télé. Merci à la région Bourgogne-Franche-Comté hein, qui finance tout ce programme Réseau, à l'Université de Bourgogne et bien sûr à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté qui est notre maison des établissements de Bourgogne et de Franche-Comté. À la prochaine. Au revoir.